Montreuil. Le cinéma Méliès. Un chantier bientôt terminé. Un grand cinéma 6 salles, public, ce qui le rend unique en son genre. Normal à Montreuil, une ville qui a un rapport unique avec le cinéma. Vous pensez que j'exagère? Alors je vous raconte. 1876, le Montreuillois Émile Reynaud invente le praxinoscope, un moulin à images, mis en mouvement par des jeux de miroirs. 20 ans plus tard, c'est l'invention du cinéma, des frères Lumière. Ils ne sont pas Montreuillois, mais Méliès. Georges Méliès est le Homère du 7e art. Il fait du cinéma un art. Comme Homère font l'épopée et le récit, et il le fait à Montreuil. Je vous amène à ses studios. C'est pas loin. Sur les cartes des explorateurs, il est marqué ici, il doit y avoir des lions. De François de Berck. Ah. Rue François de Berck. Je suis déjà perdu, voyage à peine commencé. Comme toute la Seine-Saint-Denis, Montreuil est un haut lieu du street art. Il ne sera pas question que de Méliès et du cinéma dans ce film. On croisera aussi des chimères, des monstres et des dieux, des sirènes, des cyclopes, des ensorceleuses, des héros en fer, les troupeaux du soleil et les cimériens du bord du monde. Mais où sont les studios Méliès?
Nous y voilà. Une belle plaque oubliée dissimulée sous le liard du temps, sur le mur de la parole errante. Des studios démolis, d'un artiste failli. Georges Méliès traversa le désert avant d'être retrouvé et reconnu dans les années 30. Trois quarts de siècle après sa mort, je propose qu'on fasse revivre la magie Méliès. À Montreuil, sur les décors de murs peints autour des ruines de ses studios perdus. Sandales d'Hermès, un bon vélo. Eldicar, un drone. Les yeux d'Argos, une caméra GoPro et un bon matériel de traitement de vidéo et images. Les images, celles de Méliès et de Montreuil, les mots, les miens et ceux d'Homère. Je vous invite à un voyage à travers l'impossible. Montreuil, l'Odyssée Méliès. Vous êtes tous invités au voyage.